Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 25e édition des webinaires IF Prof. On est ravis de vous retrouver au mois d'avril pour cette 25e édition qui est consacrée à la classe inversée. Je suis Colline Durand, je suis animatrice monde d'IF Prof et j'ai le plaisir de suivre le développement de la communauté et de voir vos activités nombreuses sur IF Prof depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, pour cette édition, on va parler de la classe inversée, une approche pédagogique bien spécifique. On a choisi d'aborder cette thématique parce qu'on a vu bien sûr passer de nombreuses publications et questionnements sur IF Prof sur ce thème. On sait que vous êtes nombreux et nombreuses à expérimenter cette approche pédagogique ou à vouloir le faire. Et on s'est demandé tout naturellement si ces dernières années, avec l'accélération du recours au numérique, qui a été parfois un petit peu forcé par le contexte, cela avait changé des choses sur les conditions de mise en place de la classe inversée. Est-ce que, par exemple, le numérique permet d'offrir des moyens plus simples pour mettre en œuvre efficacement la classe inversée? Ou bien est-ce que le développement de l'enseignement à distance a changé quelque chose concernant cette approche pédagogique? Et pour répondre à ces questions, on a la chance d'avoir avec nous quatre intervenantes et intervenants qui sont des grands spécialistes de la classe inversée, qu'ils ont pu explorer dans leur travail de recherche, directement en classe et aussi en écrivant des ouvrages. Donc merci beaucoup à vous quatre d'avoir répondu présent et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à tous nos participants qui nous écoutent d'être présents et d'être là et de manifester votre participation dans le chat. Je vais vous présenter nos intervenants par ordre de passage, tels qu'ils apparaîtront au fur et à mesure de l'heure qui nous attend. Nous avons d'abord la chance d'avoir parmi nous Marcel Lebrun. Bonjour Marcel, vous pouvez activer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir. Vous êtes professeur émérite en technologie de l'éducation à la Faculté des sciences de l'éducation et conseiller pédagogique à l'Université catholique de Louvain. Bonjour, et voilà, on vous entend. Parfait. Comment allez-vous? Mais très bien. Et vous êtes donc en Belgique aujourd'hui? Je suis en Belgique, chez moi, tout près de Louvain-la-Neuve. D'accord. Vous avez beaucoup travaillé sur la classe inversée. Vous êtes notamment auteur d'un ouvrage sur le sujet qui s'appelle « Classe inversée, enseigner à apprendre à l'endroit ». Et vous aurez beaucoup de choses passionnantes à nous partager. Tout à l'heure, on parlera avec vous des grands principes de la classe inversée. Et on poursuivra ensuite avec Cynthia Head. Bonjour Cynthia. On a le plaisir de vous avoir également parmi nous. Vous êtes professeure chercheuse en didactique notamment, mais pas que. Et vous êtes présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, qui est partenaire de l'Institut français Paris. Et vous avez également écrit un ouvrage sur le sujet « La classe inversée » aux éditions Clé internationale. Je crois que vous êtes en France actuellement, c'est bien ça? Exactement. Et vous nous parlerez en particulier des outils de la classe inversée. Donc, on a hâte de vous écouter tout à l'heure. On aura ensuite un témoignage de Marcela Imperiano. Bonjour Marcela, qui est au Brésil. Bonjour, bonjour. Donc Marcela, vous vous êtes levée tôt depuis Florianopolis. Vous êtes coordinatrice à l'Alliance française. Tout à fait. Et je vous ai contacté via IF Prof. J'ai vu sur IF Prof en fait que vous aviez déjà animé des webinaires sur le sujet de la classe inversée pour un public brésilien. Et au Brésil, il y a de nombreuses alliances françaises qui sont très actives. Et sur IF Prof notamment, on peut avoir connaissance des nombreuses initiatives qui sont mises en place par les alliances françaises. Donc aujourd'hui, vous pourrez nous apporter votre témoignage concernant la mise en place de la classe inversée dans ces alliances. À tout à l'heure. Et enfin, on aura avec nous Maureen Éon, ou Éon, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé comment prononcer notre nom de famille. Oui. C'est pas grave. Maureen, on s'est contacté aussi via IF Prof, en fait. J'avais vu des publications que d'autres professeurs mentionnaient concernant le mémoire que vous avez rédigé sur la classe inversée en FLE. Ouais.
Et vous êtes également la créatrice du site Tout en français, un site qui contient de nombreuses ressources pour apprendre et enseigner le français. Mmh. Et vous êtes en France, mais vous avez travaillé en Équateur ces dernières années. Et donc, vous pourrez nous parler de votre expérience de classe inversée en Équateur. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Maureen. Et on se retrouve à la fin du webinaire. Ça marche. Pour vous indiquer aussi les modalités, vous qui nous écoutez, de participation, donc vous pouvez bien sûr interagir dans le chat. Et vous verrez qu'à côté du chat, vous avez aussi un onglet « Questions ». Donc, si vous avez au fil des interventions, des questions qui vous viennent, on vous remercie de les poser dans cet onglet « Questions » plutôt que dans le chat. Ce sera plus simple pour nous pour les recueillir. Et on garde les questions pour la fin. Et c'est notamment Camille Perdereau qui va être chargée de rapporter les questions en fin de webinaire. Bonjour Camille, comment ça va ? Bonjour, très bien, merci. Nous sommes déjà 520 participants. Oui, ça promet de nombreuses questions. À tout à l'heure, Camille. Avant de laisser la parole à Marcel Lebrun, je vous propose de réagir à ce petit sondage qui va s'afficher à votre écran pour savoir si vous avez déjà enseigné avec la pédagogie de la classe inversée. Donc vous pouvez répondre directement en ligne. Et donc, nous allons entrer dans le vif du sujet avec Marcel Lebrun. Alors, est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne connaîtraient pas très bien ce que c'est la classe inversée, vous pourriez nous rappeler les grands principes, nous dire ce que c'est pour vous la classe inversée ? Bien, voilà. Une très large question qui va mobiliser toute l'heure restante, vu sa largeur. Alors évidemment, pour répondre en quelques minutes, je vais, excusez-moi, utiliser peut-être des éléments de caricature, mais je suis certain que les enseignants seront capables de remettre autour de ce squelette, finalement, de cette caricature, de remettre toute la variété que couvre cette pratique. Alors la caricature. Dans une école un peu imagée comme cela, nous dirions que les leçons, la transmission des savoirs, si vous voulez, se fait devant la classe, se fait par l'enseignant, devant le groupe classe. Et souvent, dit-on, les applications, les exercices sont considérés comme des devoirs qui sont faits à la maison, lorsque l'élève est tout seul, en tout cas en l'absence de l'enseignant. Les inventeurs, si on peut dire, de la classe inversée, bien qu'elle existe déjà depuis des dizaines d'années, mais ceux qui ont vraiment forgé le concept ont voulu inverser, si vous voulez, les espaces de la classe et les espaces de hors la classe à la maison. Comment ? Ils se sont dit, dans certains cas, il n'est pas question de faire la classe inversée toujours, tout le temps. Mais dans certains cas, on pourrait demander aux élèves, en autonomie, c'est-à-dire sans la présence de l'enseignant, ça pourrait être dans l'école, ça pourrait être dans la bibliothèque, en l'absence de l'enseignant, de prendre déjà connaissance des savoirs, des éléments de contexte, etc., de manière que lorsqu'ils reviennent en classe, auprès de l'enseignant, ce dernier puisse consacrer ce temps précieux de la présence à des activités et à des interactivités. Les anglophones, excusez-moi, dans une association francophone, ont dit « lecture at home », les leçons à la maison, et « homework », les devoirs en classe. Alors, vous comprenez, et c'est évidemment le cœur de la classe inversée, qu'il y a une inversion des activités en présence et à distance. Les devoirs se faisaient à la maison. Maintenant, si vous voulez, les devoirs se font en classe. Les leçons se faisaient en classe. Maintenant, elles peuvent se faire à distance. Et évidemment, vous comprenez que le numérique est très présent dans cette réflexion. La classe inversée, ou les classes inversées, dirons-nous, parce qu'il y a une grande variété
autour de ce concept, ben finalement, ce sont des dispositifs hybrides qui mêlent peut-être, on dit ça, les dispositifs hybrides mêlent des activités en présence avec des activités à distance. Ce sont des activités hybrides, mais pas seulement. Ce sont des activités d'enseignement, d'apprentissage qui bousculent, si vous voulez, les temps de l'enseignement, les temps de la transmission et les temps d'apprentissage, d'appropriation par les élèves. Autrement dit, la classe inversée, les classes inversées sont également un état d'esprit. C'est moins qu'est-ce que je vais enseigner demain aux élèves que qu'est-ce que mes élèves vont faire demain. Merci voilà beaucoup. Pour cette... J'ai une double question maintenant pour vous. Qu'est-ce qui permet, selon vous, de réussir une classe inversée? Et inversement, qu'est-ce qui fait qu'une classe inversée ne sera pas efficace en termes d'apprentissage? Alors, c'est là quand vous avez dit, et évidemment, ce ne sont pas les enseignants qui nous écoutent aujourd'hui. On sent bien, ils travaillent en réseau, ils ont l'habitude d'échanger. Mais le concept a été pris un peu de manière superficielle par beaucoup d'enseignants. Ils ont dit, eh bien, chers élèves, pour demain, vous regardez telle vidéo et demain, on travaille dessus. Les élèves revenaient en classe, les élèves n'avaient pas regardé les vidéos. Ils n'avaient pas lu les textes, ils n'avaient pas cherché d'informations. La meilleure façon pour qu'une classe inversée ne fonctionne pas, c'est de simplement utiliser la caricature, c'est-à-dire de dire « regardez la vidéo et on en discute au prochain cours ». Non, vous devez, même à distance, même en autonomie, accompagner l'élève, accompagner le visionnement de la vidéo, par exemple, par des activités. Il est tout différent de dire « regarde la vidéo pour la prochaine fois » ou bien « vous allez voir une vidéo et je vous demande de repérer trois endroits où la personne commet une faute de français, où la personne cite un argument pour l'économie mondiale. » Autrement dit, la vidéo doit être accompagnée d'une tâche. Encore une fois, la classe inversée, c'est une sorte de sublimation de la méthode active où c'est davantage l'activité d'apprentissage que l'activité d'enseignement qui importe. Et nous, les francophones, on est très mal lotis par rapport à ça. Pourquoi? Si je parle à des anglophones et que je dis qu'il faut distinguer le teaching du learning, ils vont me comprendre parfaitement. Si je parle à des francophones, à beaucoup de francophones, et je dis qu'il faut distinguer apprendre et enseigner, ils vont me dire bien souvent, mais c'est la même chose. En effet, en français, on peut apprendre quelque chose à quelqu'un. En anglais, to learn something to someone, ça n'existe pas. Et donc, je pense que c'est vraiment cet accent sur l'apprentissage qui importe. Donc, pas seulement des vidéos, mais également d'autres types d'activités. Quand les élèves, seuls ou en groupe, sont en autonomie, c'est-à-dire sans la supervision directe de l'enseignant, pourquoi pas leur demander de faire une recherche documentaire? Pas seulement lire ou regarder des éléments de savoir, mais faire une recherche documentaire, seul ou en groupe, profiter de la classe pour partager ces éléments. Donc voilà à la fois des éléments qui risquent de faire rater la classe inversée ou de la faire réussir. Merci beaucoup pour toutes ces pistes. Alors bien sûr, on a peu de temps ensemble, donc on ne peut pas vous demander de développer, mais je vais afficher à l'écran en fait la couverture du livre que vous avez rédigé sur le sujet, si nos auditeurs ont envie de poursuivre. Je vais... Oui, je leur dirai que s'ils le veulent, je vais mettre ça dans le forum. Le livre, ben, il date déjà de... Il est toujours correct, hein, il n'y a pas de souci, mais il date quand même de quelques années. Le mieux, c'est peut-être d'aller voir mon blog. Je tiens un blog qui s'appelle tout simplement le blog de Marcel. Vous tapez le blog de Marcel, vous allez y arriver. Et là, vous allez trouver de nombreuses pages
sur les dispositifs hybrides et les classes inversées. D'accord, entendu. Et je vais finir avec une dernière question pour vous. Depuis la rédaction de ce livre, justement, il y a eu pas mal de changements avec le contexte du Covid, etc., et beaucoup de passages, enfin, une accélération du passage à l'enseignement à distance. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce que vous avez pu observer en termes de changements? Qu'est-ce que ça a fait évoluer dans la mise en place de la classe inversée, ce développement de l'enseignement à distance? Alors, un des points qui me paraît important, c'est le rapport à la technique. Quand je parlais avant le Covid, donc avant les années 2020, de la classe inversée, pas mal d'enseignants, hein, de nouveau, il ne faut pas généraliser, mais certains enseignants me disaient « Oh, mais vous savez, moi, le numérique, les vidéos, je ne m'en sors pas, je ne sais même pas ce que c'est un serveur, etc., etc., etc. » Eh bien, je crois que le Covid a quand même forcé un peu la donne dans le sens que les aspects purement techniques liés au numérique, à la passation à distance, à savoir qu'est-ce que c'est un lien web pour accéder à une vidéo, etc., etc., ben, c'est devenu quand même de plus en plus dans les habitudes. Également, ce que nous faisons maintenant, hein, parce qu'il n'y a pas seulement regarder des vidéos, il y a aussi avoir des interactions avec les élèves, entre les élèves également, ben, ces outils sont rentrés dans le grand public. Mais surtout, on a découvert, parce que beaucoup maintenant me disent « Oh là là, j'ai mis mes cours à distance et les élèves n'ont pas du tout aimé. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait ?» Ah ben, je leur donnais chaque semaine une vidéo à regarder. Ben, je vous l'ai dit, hein. Cette forme-là d'enseignement à distance qui consiste simplement à reporter la transmission orale sur les ondes, ça ne fonctionne pas. On le sait depuis 1850-60 que les activités, même à distance, doivent être accompagnées. Autrement dit, il faut donner aux élèves une feuille de route, il faut leur poser des questions, leur donner des tâches à effectuer. Et donc, c'est un point qu'on a découvert aussi, que l'enseignement à distance, ben, ce n'était pas seulement l'enseignement à distance finalement. Et on a peut-être découvert autre chose. C'est la valeur finalement, la valeur, le sens de la présence. Alors, s'il vous plaît, si vous me dites « Ah oui, le sens de la présence est important », eh bien, ne gâchons pas cette présence en faisant uniquement, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait plus en faire, en faisant uniquement de la transmission. Voilà pour moi quelques leçons tirées de ces fâcheuses expériences du Covid. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vos leçons sont très convaincantes et vous savez que ça a déjà suscité plus de 25 questions parmi les personnes qui nous écoutent. Donc, restez avec nous et puis on essaie de vous poser les questions à la fin de ce webinaire. Merci infiniment. Nous allons poursuivre avec Cynthia Head autour de la question des outils de la classe inversée. Cynthia, vous avez également publié un ouvrage sur le sujet. Je vais partager la couverture tout de suite, comme ça les personnes qui nous écoutent pourront le voir également. Donc, voilà, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des outils qui permettent de mettre en place la classe inversée et puis des conditions de réussite de leur mise en place? Oui, merci Colline. Donc, j'enchaîne avec ce que Marcel disait. Donc, il a évoqué pas mal d'outils, hein, entre autres, mais j'ai envie de dire que les classes inversées sont par nature hybrides. Hein. Donc, Marcel l'a bien mentionné tout à l'heure. Et c'est ça qui a fait, à mon avis, qu'elles aient vraiment le vent en poupe. Et elles continuent d'ailleurs à l'avoir, notamment avec la pandémie. Et ceci depuis hein, donc, plusieurs années. Je veux dire que aussi la pandémie a mis un coup de projecteur sur l'inversion des classes et notamment sur l'utilisation des outils numériques. Donc certes, les outils sont importants, je vais venir à la question, mais à mon avis, il faut faire attention aussi que les outils constituent un des éléments que j'appelle dans une pédagogie multimodale intégrée, je pense qu'il y a quatre axes. Il y a quatre axes à prendre en considération. Parce que c'est vrai que dès qu'on parle enseignement en ligne,
enseignement hybride, on pense outils. C'est important de penser outils, mais il n'y a pas que les outils, il y a aussi dans cette pédagogie intégrée, numérique intégrée, il y a également la place à toute la partie de gestion de classe. Comment je gère ma classe, notamment mes classes inversées, quand je suis dans une modalité comodale ou quand je suis dans un enseignement en ligne ou en présentiel. Il y a également la partie, je dirais, de l'évaluation. L'évaluation en ligne, comment est-ce que ça se passe, etc., etc. Et surtout, les méthodes pédagogiques sur lesquelles donc Marcel a mis l'accent tout à l'heure. Mais la question tourne autour des outils, hein, j'ai envie aussi de dire qu'il y a autant de classes inversées que d'inverseurs et donc autant de recours à des outils numériques. Alors, dans le livre qui a été affiché tout à l'heure, on a eu également la chance d'avoir Marcel qui nous a rédigé la préface. C'est un livre qui est destiné aux enseignants français. Donc, ça a été vraiment notre public cible. C'était les profs de FLE, de FLS, de français langue maternelle. Et ce livre émane en grande partie d'une expérience de prof que j'étais à l'Université de Montréal. Et nous avions justement mis en valeur quatre catégories, autour notamment des pédagogies actives et interactives. Donc, si je vais les nommer d'abord, et puis s'il y en a une catégorie qui est plus qui suscite plus d'attention et de questions, je reviendrai dessus. Donc, un des outils importants pour la classe inversée, c'est justement le plan de travail. Le plan de travail, je reviendrai dans quelques instants, c'est le point de départ et le point d'arrivée dans un travail, dans une classe inversée. À côté de ce plan de travail, et je reviendrai s'il y a des questions sur l'une ou l'autre des catégories, il y a les outils de création. Tout à l'heure, Marcel parlait de la capsule vidéo qui a toute sa place dans les classes inversées, justement pour être exposé à la matière avant de venir en salle de classe. Donc, je ne viens pas dans une classe inversée où je ne sais pas de quoi je vais parler. Bien au contraire, il y a une partie d'exposition à la matière, il y a une partie de recherche qui se fait à l'avance et elle pourrait se faire justement par le biais d'une capsule vidéo ou carrément par un podcast ou donc une radio scolaire, etc., etc. Donc, ce sont des outils pour créer, non seulement des outils pour le prof, pour créer sa propre capsule vidéo, mais c'est surtout des capsules vidéo ou des podcasts qui sont créés dans une modalité de pédagogie active à l'intérieur même, donc quand on revient en salle de classe pour approfondir ou en amont ou en dehors de la classe. Une troisième catégorie justement d'outils de classe inversée, c'est les outils pour produire, pour partager, pour collaborer. Donc, on peut produire des choses à l'oral. En français, vous connaissez probablement le site où monoral.com, justement, où on peut s'exercer à l'oral, s'exercer pour le bac, mais s'exercer aussi à de petits niveaux, à vraiment avoir cette prise de parole en public. Ça peut être aussi, toujours dans ces outils de production, de partage, de collaboration, ça peut être des outils d'écriture collaborative, par exemple avec la digitale, etc., etc., ou des outils carrément pour des murs interactifs, ou même des outils de production visuelle. Une autre catégorie peut être aussi, c'est les outils de planification et de révision. Quand on va rédiger quelque chose, il y a toute cette phase à mettre en valeur qui est celle de planification. Avant de mettre mes apprenants à l'écriture directement face à une page blanche, c'est toute cette partie de planification qui peut justement avoir toute son ampleur dans une classe inversée avec des outils. Je nomme pas les outils, mais on peut penser à des post-it, on peut penser justement à des mandalas, à des cartes conceptuelles, à des QR codes, etc., etc., qui peuvent justement mettre en valeur ces outils de planification. Une fois qu'on a rédigé, il y a également ces outils de révision. Vous voyez, donc non seulement on a écrit et souvent on escamote cette partie de revoir ce que nous avons écrit ou même revenir à la phase de planification pour voir qu'est-ce qui a été modifié entre-temps parce que souvent, donc l'évolution fait qu'il y a des choses dans l'écriture qui évoluent et qui changent.
Il y a également des outils pour gérer l'accessibilité aux documents. Hein. Donc, carrément, il y a des plateformes de rencontres comme celle que nous avons aujourd'hui dans une classe inversée. S'il y a une partie hybride ou commodale, etc. Donc, il y a toute cette plateforme de rencontres également qu'il faudrait qu'on la prépare. Mais il y a également la plateforme d'apprentissage. Il y a des plateformes d'apprentissage qui peuvent être des plateformes... justement, donc comme Moodle, comme Claroline, hein, je pense comme Marcel, et là j'évoque Claroline, mais ça peut être également des outils d'accessibilité aux documents à travers des PDF, des Padlet, des PDF interactifs, etc. Il y a des outils aussi pour gamifier, parce qu'en français, le jeu a toute sa place, et donc vous voyez de plus en plus... on intègre des jeux de rôle, des jeux de plateau, mais également des jeux d'évasion, des jeux sérieux, etc., etc. Donc, il y a toute cette partie de jeux de rôle hein, qui nous tient à cœur pour rendre davantage nos apprenants actifs ou interactifs en salle de classe. Et bien sûr, il y a tout la dernière catégorie, c'est la catégorie qui touche aux outils d'évaluation. Donc, d'évaluation, que ce soit une évaluation sommative avec une note à la fin, mais également une évaluation diagnostique ou une évaluation formative d'accompagnement vers un projet final. Donc, vous avez vu que grosso modo, ces outils s'appliquent à la classe, aux classes inversées. Hein, donc, comme on a dit, il y a autant de classes inversées que d'inverseurs. Mais voilà, comme la plupart de ces outils, maintenant, on les connaît, on les a intégrés, bah, qu'on soit dans une modalité de classe inversée ou pas, vous voyez, on garde ses habitudes parce qu'on a vraiment expérimenté pendant ces deux années de pandémie, la puissance quelquefois hein, des outils qui peuvent rendre les apprenants interactifs hein, et éviter ce que Marcel disait tout à l'heure, cette modalité d'être comme dans une téléscolaire, hein, une téléscolaire où justement l'enseignant est là, il délivre le savoir hein, donc, et les autres écoutent. Donc justement, tous ces outils peuvent contribuer à mettre les apprenants dans des situations justement d'être exposés à la matière avant de venir en classe et d'être en action, axé sur des projets, axé sur des tâches, des activités. Hein, et donc, il y a un produit final qu'on peut partager avec la communauté et non pas seulement un produit final qu'on peut justement montrer à son professeur, mais avec ses collègues, avec les parents, le mettre peut-être sur la communauté, enfin sur des sites de la communauté, des internautes, etc., etc., pour qu'il y ait justement retour sur l'expérience. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je reviendrai avec plaisir si jamais il y a besoin sur l'un ou l'autre de ces outils. Oui, il y a déjà aussi beaucoup de questions en fait qui vous ont été adressées pendant votre prise de parole et merci pour toute cette multitude d'idées. On voit bien tout le potentiel de la créativité qui se cache derrière les classes inversées justement. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et alors après ces apports très intéressants, on va voir comment la classe inversée, découvrir ces témoignages du Brésil d'abord et ensuite de l'Équateur. Avec d'abord au Brésil, Marcela Imperiano. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait ce qui a été fait dans les alliances du Brésil dans ces dernières années? Merci Cynthia. Colline, pardon. Je vais d'abord vous partager un petit peu ma présentation avec vous, comme ça pourra vous aider à comprendre un peu mon raisonnement. Donc, je parlerai un petit peu des stratégies que nous avons adoptées ici à Florianópolis, quelques conseils que je pourrais vous donner pour la réussite de la classe, que nous avons trouvé que c'était important, quelques stratégies importantes, quelques exemples d'outils que nous avons utilisés pendant notre expérience et finalement un peu sur les obstacles, un peu qu'est-ce qui était vraiment, quels sont les aspects importants qui nous a convaincus et vraiment constatés à la fin de notre expérience. Donc par rapport à notre stratégie initiale, nous avons trouvé que il y a quelques points importants à considérer, c'est
pour bien réussir la classe, c'était présenter l'approche aux apprenants, parce que parfois ils ne connaissent pas comment ça marche et il faut expliquer tout simplement au début du semestre, pendant quelques cours avant que vous allez l'appliquer. Assurer l'accès aussi, c'est quelque chose de très important, donc identifier quels sont les outils disponibles, quelle est l'accessibilité de du document, du support que vous allez exploiter pour que ça puisse être vraiment atteindre à tout le public. Hein. Même si on présente la classe tout au début de cours, nous avons quand même à chaque fois présenté l'objectif pour que ça soit vraiment très clair et que les apprenants ils puissent comprendre pourquoi ils visionnent une vidéo, pourquoi ils doivent remplir une feuille de route. Au moment de choisir une vidéo, nous avons trouvé aussi que le temps déterminé de la vidéo, c'est quelque chose de très important. Nous avons priorisé des vidéos avec un temps maximum de 4-5 minutes, pas plus que ça, parce que c'est le temps d'accrochage, c'est compliqué de rester connecté beaucoup pour un temps plus que 5 minutes, donc faire attention au temps de documents qu'on va exploiter. Donc l'élaboration du questionnaire, Monsieur Marcel il l'a bien expliqué, hein, c'est la feuille de route, ça va justement donner sens à pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire attention, comment je vais m'impliquer dans ce visionnage ou dans cette lecture. Et finalement, un dernier point qui était très important pour nous, c'est la réflexion aux activités prévues en salle de classe, parce que justement, on gagne pas mal de temps et à profiter de ce moment où on est en synchrone, on va dire comme ça, c'est le moment où on va profiter justement pour produire, pour mettre dans la pratique tout ce qu'on a appris, on va, comme devoir à la maison. Donc ça, c'est des points qui ont fait toute différence pour bien réussir chez nous. Concernant les capsules vidéo, nous avons choisi ce support qui est le préféré des professeurs parce que c'est justement un support très attractif. Ça montre une flexibilité, une grande flexibilité. On peut le regarder n'importe où, n'importe quel horaire, autant de fois qu'on veut. Donc, c'est très, très facile à travailler une vidéo. Par contre, elles ne sont pas indispensables. On peut varier le support. Ça peut être une lecture d'un document. Ça peut être un podcast, un document audio ou même une tâche, une recherche à réaliser à la maison. Donc, il ne faut pas être trop collé. Donc, varier un peu les supports, c'était quelque chose aussi important pour nous. En concernant ce que Cynthia, pour illustrer un peu plus sur les outils numériques que nous avons utilisés, qui ont été vraiment importants pour faciliter le travail en équipe, pour partage de contenu, pour communication, interaction, nous avons utilisé quelques applications, quelques sites. Donc, pour créer des contenus, des quiz, des enquêtes, nous avons ici ces quelques exemples, il y en a beaucoup plus disponibles sur Internet. Donc là, si vous recherchez, vous allez trouver beaucoup d'autres qui vont donner une aide, un support en plus dans vos préparations. Ensuite, pour systématiser les connaissances, il y a des supports qui qu'on peut proposer d'exercices, donc comme Ad Learning Apps ou Isermi. Je répète, hein, il y en a beaucoup d'options, beaucoup de choses disponibles sur Internet. WordArt, Google, Poplet, ce sont des outils pour organiser les idées, donc faire des nuages de mots, cartes mentales. Donc ça aide aussi dans l'aspect outils numériques, surtout pour l'apprenant, je cible là.
D'accord. Et concernant notre expérience, nous avons retrouvé quand même quelques obstacles que au départ, c'était beaucoup plus difficile quand on n'avait pas l'habitude et la familiarisation d'utiliser cette technique. C'est que l'engagement des apprenants, c'est quelque chose de très, très important. Donc, ils ne sont pas participatifs, s'ils ne font pas les tâches qu'on leur donne à réaliser à la maison, après le cours, ça ne va pas marcher. Hein. Si personne ne le fait, on ne pourra pas réaliser les activités, on ne pourra pas avancer dans le contenu. Donc, ça sera un échec. Par contre, s'il y a une seule personne, un seul apprenant qui fait la tâche, là, c'est déjà bien, on peut s'en sortir. On fait appel à la collaboration, on peut tirer profit de ça. De temps en temps, principalement au départ, quand on commence à travailler dans la pratique, le temps de préparation du cours d'une classe inversée, il est beaucoup plus important. Hein, si on compare avec un cours traditionnel, par exemple, on va prendre beaucoup de temps de recherche, de réflexion, d'élaboration. Si on élabore une capsule vidéo, c'est vraiment quelque chose où il faut beaucoup plus de temps. Donc, le temps de préparation, peut-être, ça peut démotiver un peu au départ les professeurs. Mais après, dès qu'on se familiarise, on prend la main sur le sujet, on domine un peu plus. Ça devient plus naturel, plus facile. En même temps que les outils numériques, ils sont de grande aide, de grand support, ils peuvent être aussi quelquefois un obstacle parce qu'on est soumis, par exemple, si on parle de connexion Internet, ça peut avoir des petits problèmes. Donc, on peut encore avoir quelques outils qui puissent bloquer. Soit on avait préparé en amont et après, ils ne sont plus disponibles si on utilise une vidéo qui était que nous avons trouvée sur YouTube, par exemple. Donc, tout ça, il faut prendre en considération aussi. Par contre, les aspects facilitateurs, ils sont beaucoup plus importants. Hein. Ici, vous avez entendu beaucoup d'exemples sur les aspects positifs. Et là, je renforce quatre points que pour nous, on a pu vraiment voir en vrai après la réalisation de nos classes inversées. C'est le fait de la motivation. Donc, ça éveille vraiment l'envie d'apprendre. Les élèves, ils sont beaucoup moins stressés, ils sont beaucoup plus tranquilles parce qu'ils ont accès au matériel, ça les tranquillise du fait qu'ils savent de quoi on va parler en salle de classe. Donc, ça, pour ceux qui, par exemple, puissent être timides, ils vont peut-être être plus sûrs de parler, de partager, de participer pendant les sessions. Les cours, ils sont plus intéressant, plus amusant parce que c'est interactif, c'est dynamique. Donc, ça c'est quelque chose qui motive beaucoup. On a pu constater la motivation énormément. En ce qui concerne le gain du temps, on gagne beaucoup de temps en salle de classe justement pour l'interagir. Donc, pour moi, c'est les deux mots plus importants, c'est l'interaction et la production. On va vraiment profiter de ces moments en synchrone principalement pour interagir et produire, soit à l'oral, soit à l'écrit. Donc, mais c'est les moments où il fallait justement avoir un guide à côté. On va trouver ça dans cette approche de la classe inversée. On aura aussi plus de temps pour travailler les difficultés, retrouver après, on pourra même approfondir plus les contenus. Donc, le temps qu'on gagne en salle de classe, c'est très, très bien pour profiter en autonomie par rapport aux étudiants. Ils sont beaucoup plus responsables de leur apprentissage. Ils sont en même temps que leur engagement, ça peut être un empêchement.
le fait de collectif, collaboration, de travailler en groupe, travailler tout le temps ensemble, ça va les faire s'engager à réaliser les tâches demandées. Donc, ici, avec la collaboration, en collaborant avec les collègues, qu'on va prendre beaucoup, on solidifie nos connaissances et c'est beaucoup plus intéressant. Finalement, pour terminer, donc, nous avons quand même trouvé que c'est peut-être une technique très, très bien pour réaliser quand nous avons, là, je parle de notre réalité dans une alliance française où on a des cours de langue exclusivement pour les publics brésiliens, là, je parle, mais dans des groupes, de grands groupes, donc, où on veut qu'on trouve plus de temps pour faire cette interaction orale, avoir plus de temps pour produire. Donc, pourquoi pas utiliser la classe inversée dans ces conditions où on a beaucoup de gens, parfois on ne trouve pas de temps à faire tout le monde parler. Donc, ça, c'est très bien. Et pour des niveaux avancés aussi, où il y a beaucoup de documents, des supports beaucoup plus longs aussi à travailler, à didactiser. Donc, ça, c'est quelque chose que je conseillerais vivement aussi. Donc, voilà notre expérience ici. Merci. Merci à vous pour tous ces conseils, ces bonnes pratiques. C'est très inspirant, ça donne envie. Merci. Et après le Brésil, on va passer sur un autre pays, en Équateur. Que s'est-il passé, Maureen, en termes de classe inversée ? Oui, alors effectivement, on reste sur le même continent, mais comme on l'a dit avant, chaque expérience de classe inversée est différente. Donc, je vais vous présenter, je vais vous juste partager une présentation. Hop. Colline, est-ce que vous l'avez ? Je ne trouve pas le fichier d'en partager. Voilà, je vous remercie. Alors, Donc pour commencer, alors j'ai travaillé en France et à l'étranger, et en particulier à l'Alliance française de Cuenca, donc la troisième ville d'Équateur, où je suis restée 3 ans. Quand je suis arrivée, j'avais pas de diplôme, enfin j'avais un diplôme universitaire de français et langue étrangère, mais pas le Master 2, et j'ai décidé de le faire à la dernière année où j'étais en Équateur. Et comme sujet de mémoire, j'ai choisi la classe inversée, ce qui m'a permis de faire des recherches et de réaliser une véritable expérience sur le terrain. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Et dans une deuxième partie, je vous donnerai quelques pistes pratiques pour réaliser des vidéos, puisque moi, c'est avec ça que j'ai fonctionné. Alors, pour commencer, le contexte. Donc, l'expérience de classe inversée, elle a commencé en février, c'est terminé en juillet 2019. Je l'ai fait avec 4 classes. Sur 20 semaines. Alors, pour mon mémoire, avant la phase de l'expérience proprement dite, j'ai fait donc des recherches, comme je vous ai dit, qui m'ont poussé à me poser les questions de base. Qu'est-ce que je vais inverser et quel type de document donner aux apprenants? Alors, moi, j'ai choisi de me concentrer sur la grammaire parce que je trouvais que c'était ce qui était plus pertinent à inverser plutôt que le vocabulaire ou d'autres points de langue. Donc, ça, c'est pour le... Ah oui, pardon. Et pour créer mes vidéos, j'allais utiliser le logiciel PowToon. On avait eu une formation de professeur sur ce logiciel. Il est en ligne, hein, donc vous pouvez l'utiliser. Il y a une partie gratuite, il y a de quoi faire avec la partie gratuite. Et on peut s'abonner aussi. Donc, nous, l'Alliance française, était abonnée. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est très intuitif. Je vous conseille d'aller voir ce site, PowToon. Voilà, si vous voulez vous lancer dans les vidéos. Ça, c'est un exemple de programme que j'avais réalisé. Donc, en fait, je me basais sur l'Alliance française avait déjà des programmes pour chaque niveau. Et moi, je les ai un peu remaniés en indiquant à chaque fois quelle partie du cours j'allais passer en capsule vidéo. Et donc ça, c'était le genre de programme que j'ai soumis à validation à la coordination pédagogique. Donc comme l'a dit Marcella avant, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour préparer ce genre de choses, mais ça vaut le coup après parce qu'on peut le réutiliser. Alors, maintenant, on a les programmes, on a les vidéos, mais comment ça se passe en classe concrètement ?
Donc ça aussi, Marcella en a parlé. C'est très important d'expliquer le principe de la classe inversée. Hein. Il faut que les apprenants comprennent que ce n'est pas juste une lubie du prof, mais que le prof fait ça pour eux, en fait. Que l'intérêt, c'est un peu de faire des progrès. Expliquer aussi ce qu'on attend d'eux. Donc moi, j'attendais qu'ils regardent une vidéo et qu'ils fassent des exercices pour vérifier qu'ils avaient bien compris la vidéo. C'était aussi des exercices pour vérifier qu'ils avaient vu, enfin, pour que moi, je vérifie qu'ils avaient vu la vidéo. Et donc, en plus d'expliquer le projet, il faut le justifier, ça c'est très important. Pourquoi on le fait avec vous? Alors, moi, je leur ai dit que ce que j'attendais, c'était plus de temps en classe à l'oral, parce que c'était une demande des élèves globalement. Donc, comme ça, voilà, si on faisait de la grammaire avant d'aller en classe, en cours, on pouvait passer plus de temps avec les activités orales, interactives. Et aussi, je leur disais que s'ils regardaient des vidéos de grammaire à distance, ils pouvaient en fait étudier à leur rythme. C'est-à-dire qu'une vidéo, on peut faire pause, on peut aller en avant, on peut revenir en arrière, prendre des notes. Et c'est ça qui est important en fait dans la classe inversée, c'est que les différences de rythme qu'on peut observer en classe, si jamais on explique un point de grammaire, il y a des élèves qui peuvent être un peu perdus. Et donc, voilà, je leur ai dit que s'ils voyaient une vidéo de grammaire à distance, ils le faisaient à leur rythme et que ça allait les mettre un peu à égalité. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, il y a la question du suivi des apprenants qui se pose. Donc, elle a été soulevée déjà par d'autres intervenants avant moi. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde fait les tâches, enfin, regarde la vidéo et fasse les tâches à distance avant d'arriver en classe? Alors, en Équateur, on fonctionnait beaucoup avec WhatsApp. Donc, moi, 2-3 jours avant, je leur disais, je leur envoyais un petit rappel, n'oubliez pas, vous avez ça à faire pour dans 2 jours. J'avais des classes d'adultes et aussi des classes d'ados. Avec les adolescents, je leur demandais de m'envoyer des captures d'écran de la vidéo. Voilà, ça fait un peu police, mais c'était efficace pour le début. Et aussi des photos de leur prise de notes. Ça, c'était important pour moi de vérifier leur prise de notes pour les adolescents. Alors, ça n'a pas empêché des cafouillages, hein, bien sûr. Dans les premières séances, il y en a qui arrivaient sans avoir vu les vidéos. « Ah, j'ai pas eu le temps, désolé. » Et en fait, après, ils se rendent compte qu'ils sont perdants s'ils ne regardent pas la vidéo, puisqu'il y a la phase de mise en commun au début de la séance en présentiel, dans laquelle ils s'expliquent entre eux le point de grammaire, ils se posent des questions, et où moi aussi, je vérifie avec un petit quiz. Donc voilà, c'est pour ça qu'après les premières séances, où en fait ils ont vraiment compris ce que j'attendais d'eux et comment ils devaient s'impliquer, il y a moins besoin de faire du suivi. Le suivi, il est chronophage essentiellement au début. Alors après, qu'est-ce qu'on fait en classe? Moi, je divisais un peu ça en 3 temps. Donc la première partie du temps de présentiel, c'était dédié à la vérification de la compréhension du point de grammaire. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Ils s'expliquaient le point entre eux. Parfois, je les invitais à aller au tableau s'ils avaient besoin d'utiliser. C'était assez informel. Hein. Moi, j'intervenais presque pas. J'intervenais seulement quand ils s'étaient trompés ou quand il y avait vraiment une question. L'intérêt, c'est vraiment qu'ils s'expliquent entre eux. Donc, là, j'autorisais un peu le recours à la langue maternelle. C'était que des apprenants qui parlaient espagnol. Mais une fois cette phase-là passée, donc dans la phase d'approfondissement, là, c'était moi qui répondais aux questions auxquelles ils n'avaient pas pu répondre. Et bah, vous connaissez la grammaire en français, bah, il y a toujours des exceptions, des points un peu plus complexes. Donc, ce qui n'avait pas été abordé dans la vidéo, je l'abordais là. Et après, ça laisse largement le temps pour pratiquer le point de langue, le point de grammaire en classe. Donc, surtout à l'oral. Et puis moi, peut-être à la fin, je laissais un petit peu de temps pour l'écrit, ce qui permet aussi de les accompagner individuellement à l'écrit. Et voilà, ça a été vraiment quelque chose de positif. Alors, concernant les résultats, donc pour mon mémoire, bien sûr, j'ai dû un petit peu faire un bilan et le chiffrer. Comme pour Marcella, un des points positifs, ça a été le gain d'autonomie. Donc, c'est les apprenants dans leur questionnaire qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment apprécié se sentir autonomes, en fait, se sentir impliqués dans leur apprentissage. On ne leur avait jamais demandé ça et là, ils étaient vraiment contents avant même. Enfin, ça, c'était le premier point positif. Et en second point, c'était le gain de temps en classe pour pratiquer à l'oral. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que du coup, ils ont un peu découvert une nouvelle manière d'apprendre. Et moi, de mon côté, j'ai vraiment vu les progrès en production orale en termes quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Ils parlaient mieux et les élèves qui étaient un peu timides, ils osaient davantage prendre la parole. Mais, alors là, je vais parler du point négatif que moi, j'ai vu. En gros, les élèves qui étaient en difficulté
en petite difficulté, la classe inversée les a aidés. Mais les élèves qui avaient des grosses difficultés d'apprentissage, que ce soit en langue, parce que c'est ce que j'ai constaté, mais peut-être dans d'autres domaines, pour eux, la classe inversée, ça n'a rien changé. En fait, dans tous les cas, c'était des élèves qui n'arrivaient pas à apprendre. Donc, que ce soit en présentiel ou avec des vidéos à distance, j'ai deux élèves, en fait, qui n'ont pas réussi. Ça n'a rien changé pour leur niveau. Donc, c'est un peu triste pour eux. En fait, ce qu'il aurait fallu faire avant, c'était un travail en amont sur les stratégies d'apprentissage. Mais ça, voilà, on sort du cadre de la langue française. C'est un sujet très intéressant que j'ai malheureusement pas eu le temps d'explorer. Mais je vous suggère un peu, si jamais vous voulez vous lancer dans la classe inversée, de parler un peu de comment, quand on regarde une vidéo, on peut en retirer des choses, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde et ça peut maintenir les différences de niveau au lieu d'y remédier. Donc voilà, un point intéressant à creuser. Alors maintenant, je passe à la deuxième partie de ma présentation qui va aller un peu plus vite. Des petits conseils si vous voulez vous lancer dans la création de vidéos. Alors, pourquoi la vidéo, on en a parlé, Marcella l'a dit aussi juste avant moi, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai choisi la vidéo parce qu'avec les petits niveaux, je trouvais que c'était mieux de ne pas donner des supports écrits qui soient trop lourds. Et surtout, je voulais des choses qui attirent l'attention. Également une durée très, très courte, hein, pas plus de 5 minutes pour qu'ils gardent leur attention dessus. Ça, c'est un exemple des captures d'écran d'une vidéo que j'avais faite. Maintenant, mes vidéos sont mieux. Hein. Là, je débutais encore. C'est pour montrer en fait qu'on peut animer des choses et le fait d'animer, ça focalise vraiment l'attention de l'élève sur un point. Donc là, c'était sur le pronom « en » et on voit les mots de métalangage qui se déplacent très lentement pour que l'élève aussi ait le temps un peu d'assimiler. Moi, c'est ça que j'aimais avec la vidéo, c'est qu'on pouvait animer, attirer l'attention, mettre en valeur. Et c'est ça, je pense, la vraie valeur ajoutée de ce moyen. Alors, autre chose importante, il faut qu'il n'y ait que des éléments familiers au moment de la conception de la vidéo. C'est-à-dire que l'élève, il fait déjà un effort considérable pour se concentrer sur le point de grammaire qui est nouveau. Il ne faut pas qu'il y ait de vocabulaire qu'il ne connaisse pas, de structure qu'il ne connaisse pas, à part celle qu'il est en train d'étudier, parce que sinon, ça va venir le mettre en surcharge cognitive et c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter. Donc, vraiment, vous connaissez vos élèves, vous savez quels mots ils connaissent. Donc voilà, essayez toujours d'intégrer des mots pas trop difficiles pour éviter qu'ils fassent des efforts sur autre chose que sur le point de grammaire. Concernant la réalisation de la vidéo à proprement parler, moi je vous conseille toujours de procéder dans cet ordre. D'abord l'écriture du script. Moi j'en fais toujours quand je fais des vidéos, je ne le suis pas forcément à la lettre, hein, mais ça m'aide à organiser et à équilibrer surtout les différentes parties. Ensuite, la prise de son, l'enregistrement audio. Pour finir par la conception, le montage, parce que si on fait l'inverse, si on fait d'abord la vidéo et la prise de voix par-dessus, ben, y a des choses qui ne vont pas paraître naturelles. Je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait cette erreur. Et du coup, c'est mieux de caler des éléments de vidéo, de caler des animations sur la voix qu'on a déjà enregistrée. Donc, je vous conseille vraiment de suivre cet ordre-là si vous voulez faire des vidéos. Et après, il ne vous reste plus qu'à exporter et à mettre en ligne ou sur une plateforme pédagogique. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'Alliance française de Cuenca. Voilà, donc si vous voulez aller voir mes vidéos, mon site, c'est tout en français. J'ai beaucoup de contenu gratuit et mes vidéos de grammaire sont celles qui correspondent un peu à la logique de la classe inversée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, c'est bon pour moi. Merci, Pauline. Merci. Oui, sur ce site-là, il y a... Vous pourrez prolonger la réflexion aussi, il y a beaucoup de témoignages, de retours d'expérience, tout ça que Maureen vous partage. On arrive à la fin de nos interventions, on a reçu un nombre incroyable de questions, on n'en a jamais eu autant dans les webinaires IFPROF. Donc le webinaire est prévu pour une durée d'une heure, on va déborder un petit peu. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions, d'apporter des réponses à tout ce qui a été soulevé. Mais on va se centrer sur certaines d'entre elles et je laisse la parole à Camille pour aborder le temps de questions-réponses. Merci Colline, énormément de questions. Effectivement, on ne va pas pouvoir répondre à tout. J'en ai sélectionné quatre que je vais adresser à un intervenant. Et puis, si on a le temps, on continuera pour d'autres questions. Une question pour Marcel Lebrun. Est-ce qu'on peut évaluer à partir d'une classe inversée?
Une question pour Cynthia. Quel manuel de FLE conçu sur la pédagogie de la classe inversée pourriez-vous nous recommander ? Une question pour Marcella. Les grands groupes sont vus comme un obstacle à la classe inversée. Comment gérer en cas d'effectifs pléthoriques et de manque de matériel numérique ? Et finalement, une question pour Maureen. Avec quelle catégorie d'apprenants la classe inversée ne fonctionne-t-elle pas réellement ? Je vous laisse la parole. Si on prend les questions dans l'ordre. Donc, on m'a adressé une question sur l'évaluation. Ben, il est clair que la classe inversée comportant des activités en présence, de véritables activités, je veux dire pas seulement de l'écoute du professeur, ce qui reste très important, mais des activités, des productions des élèves sont mises en avant, les conditions d'évaluation peuvent être complètement remplies comme dans toute méthode pédagogique. Mais je mets surtout l'accent, parce que quand on dit l'évaluation, de quoi s'agit-il ? Sur le développement de la capacité d'évaluation par les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire leur capacité à évaluer leur travail, voire à évaluer le travail des autres. En effet, dans la classe inversée, les activités en présence sont souvent des activités de présentation d'un sujet qu'on a développé seul ou en groupe, etc. Et donc, les élèves peuvent être tout à fait capables d'exercer cette compétence de haut niveau, finalement, qu'est l'évaluation. Et c'est là, finalement, ma conclusion. La classe inversée, ça permet vraiment de développer des compétences de haut niveau. On a cité l'autonomie, hein, c'est-à-dire la autonomos, être capable de se donner des règles, de se fixer un chemin, de se définir une procédure. On a bien sûr l'autonomie, mais on a l'apprentissage collaboratif, travailler en équipe. On a également des sujets comme la recherche d'informations, la validation des informations. La validation des informations, voilà un sujet quand même bien d'actualité. Et je pense que la classe inversée est une occasion de développer ce qu'on appelle déjà les compétences du 21e siècle. Ça ne veut pas dire que les savoirs ne sont plus importants, mais l'humain a trouvé d'autres façons de consigner, de faire passer, de transmettre des savoirs en le libérant finalement quelque peu pour pouvoir développer d'autres types de compétences. Et je pense que cette école du 21e siècle doit vraiment préparer cet apprentissage toute la vie durant dont on parle depuis des années, et apprendre toute la vie durant, c'est être capable de s'évaluer également. Voilà ma réponse. La question suivante était pour Cynthia, je crois. Alors, oui, merci. Merci pour la question. En fait, j'ai vraiment du mal à répondre parce que la question était quel manuel de FLE je recommanderais et qui est basé sur la classe inversée. Pour moi, c'est la classe inversée ou les classes inversées sont des démarches qui peuvent s'appliquer à n'importe quel manuel. Donc, je sais que l'esprit, parce que j'ai travaillé avec Clé International, d'ailleurs, notre livre sur les classes inversées était publié chez Clé International, mais je ne connais pas tout ce qui existe sur le marché comme manuel de FLE. En revanche, ce que je peux recommander, c'est dans notre livre, il y a une maquette justement qui aide les enseignants à prendre n'importe quel manuel, n'importe quel document, quel support et de l'inverser. En commençant justement par les BABA, je dirais, d'une classe inversée, en disant, donc dans cette maquette, je vous recommande vraiment de regarder, vous avez ce que l'enseignant peut faire en amont de la classe, ce que les apprenants peuvent faire en amont de la classe, pendant la classe, comment est-ce qu'on peut justement aller sur des pédagogies actives de simulation, des pédagogies de projet, etc., etc. Et comment on peut y aller, pour enchaîner avec la question qui était posée à Marcel, dans les typologies d'évaluation, oui, ça s'évalue, et que ça soit un travail en groupe ou
individuelles. Donc, j'ai du mal à dire tel livre, il est basé sur la classe inversée, mais aujourd'hui, avec la maquette que nous avons proposée justement pour démystifier la classe inversée, c'est n'importe quel manuel, on le prend, et c'est une posture en fait, hein, c'est vraiment une posture pour les apprenants, une posture pour les formateurs, à dire, ben voilà, aujourd'hui, oui, je vais inverser ma classe, c'est pas parce que c'est une mode, mais parce que justement, ça répond à des besoins, et voici comment est-ce que je pourrais m'y prendre. Assurément, il y a une multitude de façons de s'y prendre, mais on peut, dans cette maquette, guider vers des méthodes, et mon conseil, c'est de rester vous-même, en fait, hein, donc vraiment, c'est que dans cette maquette, allez chercher ce qui correspond à vous, parce que c'est vous qui allez apporter la différence dans votre salle de classe. Voilà, donc désolée de ne pas recommander un livre en particulier, mais une démarche, et peut-être aussi des pistes dans les maquettes. Voilà, merci. Merci beaucoup. La troisième question était pour Marcella. Oui, donc là, concernant les grands groupes, comme j'ai expliqué à la fin, la question, c'est si c'est intéressant, si ça serait le nombre de personnes, c'est un obstacle, hein, c'est le contraire en fait. Hein, donc nous avons trouvé que c'était une pratique très intéressante à faire dans les groupes beaucoup plus nombreux, beaucoup plus importants, avec plus d'effectifs. Parce que justement, on profitait ce gant de temps en salle de classe justement pour réaliser beaucoup plus de production, activités de en pratique, le fait de travailler l'écriture collaborative, que de temps en temps c'est assez rare qu'on voit dans les pratiques traditionnelles. Donc, concernant le matériel numérique, là, c'est quelque chose qui est très vaste, très riche. Je pense que ça va être très difficile de se retrouver avec un blocage de manque de support. Donc voilà, j'espère que j'ai pu bien répondre aux questions, aux doutes. Merci. Merci beaucoup. Maureen ? Oui. Oui, alors moi, la question portait sur les catégories, avec quelles catégories la classe inversée ne fonctionne pas réellement. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. Je peux dire que moi, ça a fonctionné avec des ados un peu réticents qui étaient obligés d'apprendre, dont les parents les forçaient à apprendre le français. Ça a marché avec eux. Ça a marché avec des adultes, mais qui étaient motivés par l'apprentissage du français. Je ne sais pas si ça marcherait avec des enfants dans le cadre de l'apprentissage d'une langue. Ça, pour moi, ça me semble assez compliqué parce qu'il faudrait impliquer les parents, forcément. Donc, ça, je pense que ça peut marcher, mais que ça demande beaucoup plus de réflexion en amont. Et je pense aussi, après, au contexte un peu difficile. Moi, j'avais de la chance, tous mes élèves avaient un accès à Internet ou ils avaient accès à Internet dans la médiathèque si jamais ils devaient regarder les vidéos dans l'Alliance française. Mais j'imagine, pour les apprenants qui vivent sans Internet ou qui peuvent pas étudier tranquillement chez eux, peut-être pour ces publics-là, c'est un peu plus compliqué de préparer des contenus à distance. Donc, voilà, après, il y a des témoignages de classes inversées sur Internet, donc peut-être que vous aurez plus de précisions sur les catégories d'apprenants avec lesquelles ça ne marche pas. Voilà. Merci beaucoup. Comme c'est très frustrant de pouvoir répondre à toutes les questions, on va en prendre une dernière que Camille va nous évoquer maintenant. Oui, il y avait pas mal d'interrogations sur la motivation des apprenants et le type de public qui pouvait être concerné par la classe inversée et toutes les éventuelles limites. Donc peut-être Marcel Lebrun pourrait répondre sur cet aspect-là, donc faire en sorte que les apprenants réalisent effectivement les tâches données. Par exemple, les classes d'adultes, surtout en contexte professionnel, sont très difficiles à mobiliser sur les tâches à faire hors du cours. Est-ce qu'il y aurait des pistes pour les motiver ?
Eh bien, ça, c'est la question, extrêmement difficile. Les études que j'ai regardées, et ça a été, confirmé par Maureen et Eon juste avant, c'est que oui, la motivation augmente. Maintenant, nous ne nous attendons pas sur des éléments aussi personnels, aussi intrapersonnels que la motivation, à avoir des effets spectaculaires. Néanmoins, parce qu'il faut quand même le rappeler un tout petit peu, la motivation, bien sûr, ça touche au comportement, au savoir-être, aux attitudes, mais il y a aussi des théories hein, qui sont vieilles déjà de plusieurs dizaines d'années. Il y a des théories, on a repéré, il y a un livre chez Dunot, les 101 théories de la motivation, mais toutes ont finalement trois éléments en commun. Le premier, c'est la valeur de la tâche, c'est-à-dire comment l'élève attribue-t-il un sens, une valeur à l'activité qu'on lui demande de faire. Alors ça me paraît vraiment fondamental. Et à la fois Marcella et Maureen, je pense, ont mis en évidence, mais d'une manière très forte, l'importance d'expliciter aux élèves pourquoi on leur demande de faire telle chose, à quelles compétences cela va-t-il aboutir. Donc cette idée d'expliciter les objectifs, en particulier dans le cadre des compétences, est certainement un point important. L'autre point, après la valeur de la tâche, c'est le sentiment de compétence. Et le sentiment de compétence, c'est quelque chose qui est intimement lié à l'évaluation, voire à l'auto-évaluation que l'on fait du résultat auquel on est arrivé, qu'il soit splendide ou qu'il soit déjà finalement un petit pas vers l'objectif. Valeur de la tâche, sentiment de compétence. Troisième point, le contrôle. Le sentiment de contrôle, le sentiment d'avoir un espace de liberté, balisé bien sûr, hein, c'est pas faire tout et n'importe quoi, mais un certain espace de liberté dans lequel certaines parties de la procédure sont laissées finalement à l'acceptation de l'élève. C'est ainsi finalement qu'on développe l'autonomie. Donc oui, il y a des éléments dans la classe inversée qui conduisent, qui expliquent en fait les éléments de motivation que l'on peut voir se développer dans cette classe. Et parfois, j'aime travailler par l'absurde, la valeur de la tâche, quand il s'agit de répéter ce que l'enseignant a dit. Bien sûr que c'est important, nous le savons bien, mais peut-on parler d'un sens, d'une valeur à cette tâche? La compétence, bien souvent, la mémorisation, voire l'application. Or, nous allons là vers des compétences que j'ai appelées de plus haut niveau, hein, comme l'analyse, la synthèse, la mise en projet, l'évaluation, etc. Et finalement, les degrés de liberté dans l'exercice de la tâche qui conduisent à l'autonomie. Donc, je ne peux pas vous dire que finalement, dans tous les cas, pour tous les élèves, on aimerait bien avoir des méthodes pédagogiques qui marchent dans tous les cas, pour tous les élèves. Mesdames, messieurs, ça n'existe pas. Nous avons juste des méthodes qui peuvent à la fois convenir à davantage d'élèves et à mieux contribuer au développement de certaines compétences, en particulier des compétences requises par la société complexe dans laquelle nous vivons. J'ai terminé, je ne sais pas si j'ai répondu, mais j'ai donné en tout cas des éléments qui permettent à chacun, en grappillant, de se construire sa réponse. Très bien, merci beaucoup. On va arriver à la fin du webinaire. On aimerait pouvoir continuer pendant des heures encore, mais on va devoir s'interrompre. Je propose à nos intervenants de revenir sur scène pour qu'on puisse se dire au revoir. Et merci infiniment pour vos interventions vraiment passionnantes et qui ont déclenché une foule de questions. On n'a jamais vu ça. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent pour votre participation active. Je vais vous donner quelques informations pratiques pour terminer.
On va vous mettre le lien dans le chat de la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver la rediffusion de ce webinaire ainsi que de tous les autres webinaires IF Prof. Je rappelle que là, on était à la 25e édition. Vous allez également recevoir un message automatique de participation qui contiendra un lien à partir duquel vous pourrez télécharger automatiquement un certificat de participation si vous en avez besoin. Et puis, on va aussi vous mettre le lien dans le chat pour vers le lien d'inscription vers le prochain webinaire, celui du mois de mai, qui sera consacré aux pépites internationales. Enfin, on vous propose, pour qu'on puisse élaborer un calendrier éditorial de webinaires qui répondent à vos centres d'intérêt, à vos questionnements, d'indiquer dans l'onglet « Questions » si vous avez des thématiques qui vous tiennent particulièrement à cœur. S'il y a des sujets que vous voulez voir abordés dans les prochains mois, n'hésitez pas à les suggérer dans l'onglet « Questions ». Et nous en tiendrons compte, bien sûr, pour élaborer le contenu de nos prochains webinaires. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et bonne fin de journée. À très bientôt sur IF Prof. Merci, Colline. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Plaisir de vous revoir. Au revoir, bonne fin de journée à tous. Merci, bonne fin de journée.